Fingon, une torture est une torture. Et tu as raté une petite occasion de te taire. Tu es mon frère. Là, tu as dérangé. Tu ne devais pas parler comme ça. La lutte que nous menons là, ce n'est même plus pour l'engueulant. C'est pour que chaque Camerounais, quel que soit ce qu'il a fait, on doit être dit non contre la torture. Je suis contre la torture. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je ne peux pas être d'accord sur ta sortie. Si moi je ne te dis pas ça, je ne serai pas honnête avec moi-même. Tu as dérangé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que tu voulais expliquer quoi? Donc, Fingon. Est-ce que Longuet, qu'on soit d'accord ou pas, on parle de torture. Ça peut être ton oncle, ta tante, ton cousin qui peut torturer demain. Nous devons lutter contre la torture au Cameroun. Que ce soit Longuet ou pas, que ce soit ton ennemi ou pas. Moi, si c'était même mon dernier ennemi, j'allais sortir le défendre. Parce que c'est que ce qui lui arrive peut m'arriver demain. Donc, Fingon, tu as fuck up. Tu as très mal parlé parce que tu avais une dent contre Longuet. Tu as envoyé les excuses. Pour dire que, oui, j'ai fait ceci, je demande pardon, j'ai ceci. Il faut toujours réfléchir que, quand on est fâché avec quelqu'un, il ne faut jamais sortir qu'on est fâché avec quelqu'un. Ce que tu as fait pendant qu'on se battait pour Longuet était indigne de ta personne. Je dois te le dire. Sans avoir froid, je dois te le dire. Tu as manqué une très belle occasion de te taire. Oui. Et j'estime que tu dois toujours demander pardon aux Camerounais et surtout, faire des directs, faire des trucs, dénoncer. Commence par là. Tu ne devais pas le faire. Longuet, qu'on soit d'accord ou pas, a subi la torture. N'observons pas ce qu'il fait. La torture que Longuet a reçue, c'est la torture que tous les Camerounais reçoivent chaque jour, les nonnés. C'est-à-dire que notre oncle, notre tante, notre cousin, quand ils entrent dans un commissariat, ils entrent avec les deux pieds, on ne sait jamais comment ils vont sortir. Rien que pour ça, on dénonce d'abord. Moi, je dénonce d'abord pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas être d'accord qu'on fasse du mal à un Camerounais. Mon frère Fingon, commence à dénoncer. Sois aux côtés du peuple camerounais qui souffre tous les jours et c'est ce peuple qui vous porte. Soyez des bons ambassadeurs pour ce peuple qui souffre en silence. Aujourd'hui, la vidéo de Longuet est sortie. Mais combien de personnes? Il y a Ebala qui a été sauvagement tué. On n'a pas la vidéo. Sûr que si on voit la vidéo, là, on va tuer quelqu'un. Tu as manqué une petite occasion de te taire. Même si c'est ton pire ennemi, dès qu'il a terre, tu ne prends pas le bâton pour taper encore sur lui. C'est de ça qu'il s'agit. Et je devais te le dire à Mondovision. Oui, tu as fuck up. Quand j'ai vu Maman Annie Anzoué couler les larmes, j'ai eu envie de pleurer même à sa place. Prenez la vidéo, allez déposer chez Maman Annie Anzoué. Je vais la taguer, je vais l'appeler après. Prenez la vidéo, allez déposer chez elle. Maman Annie Anzoué, l'Okamini n'est rien en diaspora. Je ne sais pas qui t'a... Maman Annie, tu ne dois pas pleurer pour cette dame-là. Elle n'est rien, elle fait que le bruit sur Facebook. L'Okamini ne peut rien te faire en diaspora. Le jour qu'elle dit que, elle a dit qu'elle va te tabasser. Qu'elle touche un de tes cheveux, elle va vous comprendre que nous sommes en diaspora. Maman Annie Anzoué, tu ne la connais pas, hein? La fille la manque. Elle avait dit que la Côte d'Ivoire allait perdre la CAN. La Côte d'Ivoire a gagné la CAN. On va se dire des vérités en face. Parce qu'il y a la Côte d'Ivoire qui va organiser la CAN et on va même les taper. Parce qu'il y a la Côte d'Ivoire qui va organiser la CAN et on va même les taper. Ils seront même éliminés. Mais si, hein, je ne sais pas, vraiment. Mais ça fait notre staple, hein, mon frère. L'autre Camerounais, on t'a fait quoi? Donc, c'est sûr. Année en juin que tu es parti atterrir. Maintenant. Hein, l'autre Camerounais? La sorcellerie te dérange comment? Jusqu'à dire que, oh, tu vas la tabasser. Ouais, écoutons Maman Annie Anzoué avant que je vais lui donner les conseils. Mais de où se lever le matin? J'ai qu'à moyen de voir Maman Annie Anzoué qui pleure. Dit que, yé, la mère, si ne cherche pas, elle a des problèmes. Écoutons. Ouais. Bonjour, précieux. Excusez-moi. Ouais, jusqu'à. Si je suis un peu triste ce matin. Maman Annie Anzoué, même quand tu laisses ta voix, vraiment jusqu'à effet, ta voix s'est déplacée. L'Okamini là. L'Okamini que tu. Peut-être que tu la connais pas, non, Maman Annie Anzoué. Nous, on est habitué avec elle, non? Elle allait menacer Aïcha Kamouaz. Elle a menacé Cricket que je vais prendre tout à l'heure. Cricket de Cribienne. Bonjour, mes précieux, excusez-moi. Oui. Si je suis un peu triste ce matin. Oui, maman. Ouais. C'est parce que hier, j'ai vu une vidéo où l'Okamini était en train de me reprocher le fait que j'ai accepté la main tendue de Valsero. Mes précieux. Oui, maman. Depuis 1990 que je. Maman, ne pleure pas, ne pleure pas. J'ai tourné avec les Angalewa. Eh, Seigneur. J'ai chanté Maladie difficile. Oui, maman. J'ai participé à écrire. Maman, ne pleure pas. Ne pleure pas, maman. Ouais. La preuve, je l'ai écrit, je l'ai chanté en ma langue. Ouais. Je n'ai jamais eu 5 francs des droits d'auteur. Eh, Seigneur. Parce que les auteurs se sont accaparés de tout. Lors, Camille, tu es fier. Écoutons la maman, je vais te reprendre. J'ai chanté un petit bébé. J'ai chanté plein de chansons. Oui, maman. Ne pleure pas. Je n'ai jamais été reconnue
Maman ne pleure pas. Mon Dieu, aie pitié de moi. On a... Maman, calme-toi, ne t'inquiète pas. Eh, Seigneur. Pourquoi est-ce que je dois refuser la main tendue? Parce que depuis que je suis rentré au Cameroun, je me bats comme je peux. Et j'ai toujours tendu la main aux autres. Personne ne m'a aidé. Personne ne m'a aidé. Personne ne m'a dit, Annie, viens, fais comme ça. Voici ce que tu mérites. Non, personne. Assieds, maman. Le seul fric caché que j'ai reçu m'est venu de la Guinée équatoriale. Uh-huh. En dehors de ça, je n'ai jamais, on ne m'a jamais payé plus d'un million. Plus d'un million, non, jamais. Je ne comprends pas pourquoi, si quelqu'un me tend la main, va se payer le studio pour que j'essaie de sortir une chance au moins. Ne pleure pas, maman. Ouais, mon cœur. Yeah. Hey, c'est qu'il voulait me tendre la main. Je te dis. Et j'ai accepté sa main tendue. Est-ce que je mérite des menaces comme ça? Est-ce que je mérite qu'on me dise qu'on va me tabasser parce que j'ai accepté d'essayer de m'en sortir, de nourrir mes enfants et mes petits-enfants? Qu'est-ce qui ne va même pas? Pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce que vous mesurez même la portée des paroles que vous sortez de vos bouches? On va me tabasser que j'ai fait quoi? Seigneur, aie pitié de moi. Maman Annie. Maman Annie, tu m'as fait couler une larme. Je vais te dire une chose. L'or Kameni, c'est personne. C'est comme elle a dit là, ça entre ici, ça ressort ici. Oh, je vais te taper. L'or Kameni, tape Annie Anzoua, on voit. Touche à un cheveu de Annie Anzoua, on va voir ça. Puisque c'est toi, parce qu'on dit que tu es ici. Touche à un cheveu d'Annie Anzoua, en diaspora, on va voir. C'est comment même avez-vous? Vous croyez qu'on rigole? Tu crois que tu es qui? Pour venir menacer tout le monde, tout le temps tu es en train de menacer les gens, menacer les gens. Touche à un cheveu de maman Annie Anzoua. On va voir ça ici. Oh, je vais te taper parce que tu es avec Vassero. Tu vois Vassero? Mais c'est comment? Qu'est-ce qui vous prend même? Une maman qui atterrit sur les réseaux, on ne sait même pas où la sorcière la sort. Elle est seulement sur internet pour prédire le mal aux gens. Prédire le mauvais aux gens. Elle n'a jamais prédit quelque chose de bien à quelqu'un. Elle est dans ce qui est mauvais. Elle est déjà partie. Elle nous a sauté nous tous. Elle est partie chercher le problème à Nianzoué. Quelqu'un qui ne cherche pas les problèmes. La mère de tout était au Cameroun. Et le poisson avait déjà brûlé. Le feu avait déjà brûlé ses doigts. Elle ne faisait rien. Vassero est partie la porter. Maître. Encore sur la scène musicale. Elle gagne sa petite vie en tournant à gauche à droite. Elle est revenue en Europe alors qu'elle n'était pas revenue en Europe depuis. Vassero a eu confiance à la maman. Elle a pris. Ils ont travaillé. Là voilà qui fait ses petits concerts. Elle est revenue sur le truc. Qu'est-ce qui te dérange, Kameni? Quand la mère a brisé le poisson au Cameroun sur le feu, elle pilait le volet, ça t'arrangeait. Une artiste avec une voix d'or, ça t'arrangeait. C'est quoi même avec vous? C'est quoi même avec vous? Qu'est-ce qui te dérange, Kameni? Où tu viens faire pleurer une maman comme ça? Qu'est-ce qu'il y a même avec vous sur internet là? Vous n'avez même plus de limites et de respect. Annie Anzoua cherche les problèmes. On va même dire que les nous, on cherche les problèmes. Annie Anzoua cherche les problèmes. Annie Anzoua cherche les clashs. La mère, vous êtes tranquille. Tu viens la menacer qu'on va casser ses pieds à Paris. Elle t'a fait quoi? Maman Annie Anzoua, écoute-moi très bien, maman. Je voulais te dire ça, mon vision. Si tu passes en route, l'eau Kameni passe. Ne change pas de trottoir. Si tu passes en route, ton cheveu saute même un peu. Appelle-moi, on va la chercher à Paris. Elle va voir que qu'elle te touche un peu. Elle va voir vraiment. Maintenant, la vérité, elle ne va même pas croire ce qui va lui arriver à Paris. Qu'elle te touche, on va voir. C'est comment avec vous-même? On ne peut plus respirer? Tu vas attaquer? Tu vas faire pleurer une grande star comme ça sur les réseaux sociaux? Comment? On va faire ceci, on va faire cela. Parce qu'elle a fait un truc avec Vassero. Quand elle se brûle les mains et les pieds, à machin, tu es content? On va se dire des vérités en face. Parce qu'il y a la Côte d'Ivoire qui va organiser la CAN et on va même les taper. Parce qu'il y a la Côte d'Ivoire qui va organiser la CAN et on va même les taper. Ils seront même éliminés. Ils seront même éliminés. Regardez-moi sa bouche. Charlatan.